Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Dying Light 2. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2. On a commencé avec une petite introduction assez sympa. Donc là, on va enchaîner parce qu'on avait un homme à aller voir. On a vu un peu le passé d'Aiden, un peu. Pourquoi il veut se venger, pourquoi il veut trouver l'homme, le fameux Waltz, je crois. Waltz. Je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais bon, on a vu ce qui s'est passé dans le passé avec sa sœur, etc. Donc, on sait qu'elle est en vie. Donc, les gars, on va enchaîner et aller tout de suite à la recherche de notre sœur. Donc, sans plus tarder les potes, on lance les hostilités. C'est reparti. Et voilà, nous étions donc dans notre petite planque. Nous avions appelé les personnes que Spike nous avait demandé d'appeler. Voilà, qui est bon. Et maintenant, on se dirige. En bas, dans l'espoir de trouver ce qui se passe vis-à-vis de notre sœur. Waouh, juste attendez, on regarde un petit peu la vue là qu'on a, qui est vachement belle. Hein. Franchement, c'est beau. Allez, on y va. Allez. Oups, j'ai lâché sans faire exprès. Oh non. C'est un gros fail. Il vient de se passer un gros fail. Voilà, ça commence bien. Quand j'ai pu rappuyer dessus, ben j'ai perdu le sens. Allez, on glisse et on va atterrir en bas. Voilà qui est bon. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? J'ai pas envie de visiter cet endroit. Je n'ai pas encore fait. Une note, on prend. Ouais, il y a plein de... La chimomie, ça y en a. Hein. Ils aiment nous en donner. Hein. De toute façon, c'est pour le soin, donc... C'est normal. Bon, faut aller par où là? Ok. On va y aller à la nage, vraiment. Bon bah c'est parti. Hein. Allez, go. Ok, il y a pas d'infecté ici. C'est Aiden, tu m'entends maintenant? 5 sur 5. Ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors, tu as presque atteint les tunnels. Il y a du monde, hein. Il y a une entrée, la seule que le GRE a laissée quand il a fermé la ville. Je viens par l'autre côté. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Vite. Il y a du monde. Voyons voir. Ta camomille. Voyons voir ce qui se passe. Allez, encore on run. Il y a tellement de bruit. La pression est là. Faut aller de l'autre côté là, non? Je peux pas passer. Si on monte là. Allez, bouge-toi. Non, il veut pas. Bon, alors attendez, ça doit pas être par là.
doit y avoir un passage. Ça, je ne sais pas. Si on fait le tour là. Aïe, c'est pas par là. C'est pas par là. Attends, on dirait qu'on peut y aller, c'est. On dirait qu'on peut y aller, mais j'ai l'impression que c'est pas par là. Bon, écoutez. Je pense qu'il faut faire le tour. Parce qu'il n'y a pas de passage ici. Là, je ne peux pas. Bon, je vois pas d'autre solution. On va monter tout en haut là. Vas-y, monte, 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 gros. Quoi? Attendez, il est en train de monter. Et parce qu'il a plus de jauge de. Oh, mais je l'avais pas vu! Oh punaise, j'aurais pu chercher longtemps. Hein. Bébé, j'aurais pu chercher longtemps cette corde. Ok. J'entre dans les tunnels. Hé hey, tu m'entends? Je te rejoins bientôt. J'arrive. Ok. On va fouiller ici. On souffle, on respire. Tout va bien se passer. Ouais. Hey, y a quelqu'un. Ouais, ça a tiré là. Oh merde, ça a pas l'air bon. Ah non, ça a pas l'air bon du tout même. Je te rends pas que je suis en train de me faire caca sur moi là. Il fait tout noir, on ne voit rien. C'est terrible. Oh mon Dieu. C'est quoi ce bruit? Oh là là! Oh là là! Oula, 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 oula. Il faut partir, hein. Qui a fait ça? Oh, tu es un sauveur de vie. Je sais pas qui t'es, mais tu es un sauveur de vie. Pousse. Tu vas bien? Ce fumier m'a mordu. Un rapace! Il y a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts! Vite à la lumière! Ah, plus tard! Faut qu'on file! Oh punaise! Ça va passer! Reste fort! Non! Qu'est-ce que c'est que cette voix? Il l'a pas sur lui. Allons-y! Je n'ai pas la clé, je le jure. Ok. On a la lampe. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que. Waouh.
Là, ici, sans lampe, ça peut être compliqué. Attaque rapide. Ok. Ok. Mais ils sont où, là, ceux qui parlent? Ok. On va monter là, je suppose. Non. Ok. Allez, on y va. Ah, ils ont mis des nouveaux éléments pour pouvoir avancer. Dans le premier, il n'y avait pas tout ça. Quoi? Dans les petits conduits. Ok, ok, avance, avance, avance. Faut aller le sauver, le mec, là. Parce qu'on a l'impression qu'il va se faire détruire. Quoi? Ah, ok, ils sont là. Il va t'entendre. Tu étais censé être mort. Où as-tu caché notre clé, gamin? Je sais pas de quoi tu parles. Laisse-le partir. Tu vas nous obliger à te laisser partir, Ratan. Oh là là, ça sent l'action, là, ça sent la bagarre. Allez-y. Ouais. Allez, viens. Alors, je vais te montrer, moi. Maintenant, il est pour bloquer l'ennemi, bloquer le dernier moment pour réaliser une parade parfaite. Et pas peur de désorienter l'ennemi qui se rend vulnérable pendant un court instant. Ok. Allez, vas-y, viens. Ya! Ya! Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? De toute façon, j'ai plus de force là. Attends que ça revienne. Oui. Attendez pas. Ya! Ya! Là, on défonce, on défonce, on défonce. Ah, il faut que je réalise quand même 3. Vas-y, attaque. Là. Vas-y, attaque. Allez. Voilà. Ça te prendra. Meurs. Et meurs. Quoi? Vas-y, attaque. Oh, les deux en même temps. C'était cadeau. Fois. Nouvelle acquisition. Ok, qu'est-ce qu'on a débloqué? Un coup de pied voltige, qu'est-ce que c'est? Oh, lourd. Lourd, lourd, lourd. Ok. Bon. Ça, au moins, c'est fait. Lui, je l'ai pas fouillé. Quoi? Aiden, ah. C'était qui? On n'a pas le temps. Dans ma poche, je t'ai laissé quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Une clé d'accès au GRE. Les pacificateurs, ils l'ont trouvée. On ne peut pas la perdre. T'allais me dire ce qui est arrivé à ma sœur. Où est Mia? Tu vas aller au Fishai. Là, tu demandes à parler à une fille du nom de Lawan. Donne-lui ça. Avec ça et son aide, tu sauras. Tu sauras tout. Compris? Protège-la. Si Waltz la récupère,
la ville tout entière. Tout le monde mourra. Waltz ? Est-ce que Waltz est là ? Ouais. Ils arrivent. Tu entends ? Des renégats. Oh punaise. Cours ! Oh là 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 là. Ensemble. Prends ça. Ça sent la course poursuite. Allons-y. Ça sent... Oh, j'aime ce genre de choses. Oula. Voilà, non. Faut se battre, faut fuir, là. Ouais, on peut réparer ça. Allez, tue-le. Non. Servez-vous de la voltige pour avoir une meilleure mobilité durant les combats forcés. C'est un ennemi. Et puis longuement sur un pour voltiger au-dessus de lui. Et puis sur R2 en voltigeant pour laisser un coup de pied avec volt. Ouais. C'est la base du parcours. Ok. Oh, encore une phase d'action. Attendez, je vais essayer de prendre l'arme qu'il m'a donnée. J'aimerais faire un saut voltige. Ça marche pas. Aïe. Allez, venez. Ah, mais peut-être qu'il faut pas que j'ai d'armes. Peut-être. Sur L2 en voltigeant. Ouais, mais c'est ce que je fais, mais. Alors, attends. Parce que c'est ce que j'essaie de faire, mais. Mais ça marche pas. Paumé là. Je saute, j'appuie sur R2. J'aimerais voltiger, mais par où? Attendez. Est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble? Parce que courir vers un ennemi désorienté. Pour effectuer un voltige. Ah ok, c'est vers un ennemi désorienté. Ok. Ok, ça y est, ok. C'est que vers un ennemi désorienté. Ok, vas-y, attaque. Allez, attaquez là. J'avais pas compris votre délire. Mais j'étais presque. Allez. Ah, oh, ça l'a pas fait. Attends, j'ai appuyé. Vas-y, on recommence, on recommence. Mais ça a pas marché. Ah ok, ça y est. Eh vas-y. Ok, d'accord, faut viser comme ça.
Ok, 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 ok. On a le temps parce que... Je pense qu'on a le temps parce que voilà, c'est... C'est la phase de... D'appréhension... Où on apprend les mouvements. Allez, vas-y. Mais j'ai appuyé. Oh, mince de peu. Bon, allez. Au bout d'un moment, les gars. Allez, viens là. On défonce. Yosh, yosh. Bré. Quoi encore? Waouh, mais c'est trop. Vous êtes nombreux les gars là, par contre. C'est vraiment chaud hein, pour le coup. Faut être habitué aux touches. Allez, ça dégage. Ya, yosh, yosh. Quoi? Cours par où? Il m'a dit cours, mais je sais pas par où moi. Rends-nous vite d'ici. Trahir, tu es là. Est-ce que tu as ma clé? C'est Waltz. Il faut qu'on se barre. Mais je le cherche. Espèce d'idiot, il te tuera s'il te trouve. Dylan! Oh punaise. Va aux conduits d'évacuation. Vite, par ici. Vas-y en premier. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Waltz peut pas avoir la clé du GRE, souviens-toi. Quoi? Laisse-moi sortir. Fichai, la Wall. Fichai, Wall. Ouah, cette pression là. Lui? Laisse-le partir. Waltz, le voilà. Oh la vache. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? La clé ne t'appartient pas. Tu peux pas. Où est-ce que c'est? Mais non. Désolé. T'es dans le brouillard? Pas vraiment. T'es juste en train de mourir. Avant la chute, mon grand-père élevait des chevaux. De belles races. Rares. Je les aimais tant. Un jour, mon cheval préféré est tombé. Il s'est cassé la jambe. Je pensais que grand-père l'aiderait. Mais il a juste sorti son pistolet. Et il l'a mis dans ma main. Il m'a dit, fais-le pour lui. Puis il a pressé mon doigt sur la détente. J'ai hurlé. Je voulais que mon grand-père meure. Mais des années plus tard, j'ai réalisé. Ce qui doit être fait, doit être fait. Tu ne me laisses pas le choix, mon ami. Oh.
Barre-toi. Oh, cette pression avec la musique là. Cours. Sauve ta vie. Je cours. Je me rattache à la vie. Allez. Quoi ? Vous allez par où là ? Oh la vache ! Par où dois-je aller ? J'ai failli mourir à l'instant. Vas-y. Allez, plonge. On remonte. Vas-y, plonge. Allez. Allez, on y va. Oh la vache de pression! Merde! Ça fait mal! Ouais, je sais que t'es pas bien là, mais bon. Rendez-vous à Ville d'Or. Allez. Donne tout ce que t'as, gros. Allez, on plonge. On nage quand même pour tes poids Sky. Ok. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Il lui arrive la même chose qu'à Crane. C'est ouf. Vers l'inconnu. Bordel. Il n'a pas de biomarqueur. Ah quoi ? Putain, il se transforme ! Oh non, non, c'est chaud ce qui se passe. Regardons, cet enfoiré est crevé ! Je voulais juste dire bonjour, moi. Hakon, il est sur le point de se transformer. Je pensais que c'était une crise d'éternuement. C'est un étranger. Il doit être tué. Il est avec moi, c'est compris. Je t'avais pas dit d'aller nulle part sans moi. Je te l'avais pas dit, putain. Quitte-toi, putain. Il faut mettre en pièce. Chut, pas maintenant. Diana, laissez les lutteurs. Qui c'est, bordel? Vas-y, dépêche-toi. Amène-la ici. Connard. Oh! Je m'attendais pas. On croyait que c'était le Covid ou quoi? Première dose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, je sais pas où on est, je sais pas ce qui se passe. Hakon, tue-le, Hakon. Tue-le avant que je le fasse pour toi. Hé, Molo, du calme. Respire.
On dirait qu'il s'est pas transformé. On dirait ? Akon, je veux pas ça ici. Tu nous es revenu. Cligne des yeux si tu comprends. Putain, ma tête ! Ah. T'étais sur le point de te transformer, mais les UV et les inhibiteurs t'ont fait revenir. La batte a aidé aussi, bien sûr. T'es vivant. Que les choses restent ainsi. Le gars a failli tous nous tuer et tu lui fais la conversation ? Hé, hey, les filles, du calme. Elles ont peur. T'as failli détruire leur atelier. Faut qu'on se bouge. Tu peux marcher ? Mais je comprends pas. Où est-ce qu'on va ? Dans un endroit sûr. Il faut que j'aille au fisheye. Le fisheye ? Sans biomarqueur, tu pourrais pas t'en approcher. C'est quoi ce bordel ? Un biomarqueur ? Ça surveille l'évolution de la maladie dans le noir. C'est ton ticket pour la ville. Sans ça, sortir de la lumière est une sorte de loterie. Tu sais pas quand tu vas te transformer. T'as besoin d'un biomarqueur. Et je sais où en trouver un. Allez. Bon bah merci, mec. Tony se transforme à nouveau. Du calme. Tout est sous contrôle. Ça va, tout ira bien. T'es faible. Prends une minute. Quoi okay. Ça ? Sérieusement, c'est quoi la suite ? Lui faire couler un bain ? Ça me semble plutôt confortable, mesdames. Peut-être la prochaine fois. Va te faire voir, Akon. Elle m'adore. On sait pas ce qu'on a bu, mais on a bu. Pourquoi est-ce que tu m'aides ? Apprenons à nous connaître et découvrons-le. Vas-y en premier. T'as trouvé ça où ? Ça te concerne pas. T'es prudent. C'est bien, tu vivras plus longtemps. T'es un vrai pèlerin ? Ou t'as volé ce badge ? Je suis un... J'étais... un pèlerin. Une heure avant le crépuscule. Je suis sérieuse, Akon. Il reste pas ici cette nuit. Tiens. Ton arme et ta radio. Même un pèlerin ne pourrait pas s'en sortir sans. Allez, on y va. Ok, donc là, visiblement, on a trouvé une nouvelle planque. Et... waouh, 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 c'est vachement beau. Pas mal. Ah ouais. Le fisheye. La cantine est là, au centre. Après les décharges chimiques. Ah. Il faut que j'aille là-bas. Dommage. Le seul moyen d'y aller, c'est par le tunnel. Ils protègent le tunnel comme si c'était l'entrée du Valhalla, putain. C'est quasi impossible de passer. Ouais, est-ce que tu peux m'aider est-ce parce que... Est-ce que tu peux m'aider ? T'as l'air de bien connaître la ville. Je vais avoir toutes les infos d'abord. Bien avant que le monde ne parte en vrille. Je pourrais t'aider, mais il te faut un biomarqueur. T'iras pas loin sans ça. Tu viens d'où ? D'assez loin, j'imagine. Environ 2000 km. Oh, merde ! Comment t'as fait pour pas être infecté ? Facile. J'ai évité les morsures. Ici, c'est différent. On est tous infectés. T'as entendu parler de Haran ? Ils ont isolé Vildor aussi. Ils ont construit des murs. Ils nous ont enfermés. Et en fait, c'est ce qui nous a sauvés. Et comment on se procure un biomarqueur ? On peut pas se les procurer. À moins de connaître la bonne personne. Et moi, je la connais. Allons-y. Au fait, moi, c'est Akon. Et moi, Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue au paradis. Ok. Ok, ok. On sait trouver la tâche. Ok, attends, tu me permets. Ouais, quoique, non, on va y aller. J'allais aller regarder. Putain, mais les bons qu'il fait par contre. Vraiment. Tu te débrouilles bien. J'étais militaire. Unité spéciale. Pendant 7 ans. Regarde, c'est bon. Sauf
n'est pas le cas. Pour insubordination, j'ai été mis sur liste noire et mon compte bancaire a été vidé. J'ai fini par faire le taxi. Eh ben, les puissances sont tombées bien bas. Va te faire foutre. Au moins, j'ai appris à me repérer dans la ville. Ah, allez. Non, je me suis trompé. Ah, attendez. Attends. Sans inhibiteur, tu tiendras jamais. Ah, mais j'ai plus d'endurance. Est-ce que j'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donné ? C'était juste la première fois. Je pensais pas que monter ça. Si tu survis, bien sûr. Attrape ça. T'es en train de me dire que j'aurais pu. Ah, mais depuis tout à l'heure, en fait, j'attends. Je sais de monter alors qu'il allait m'envoyer une échelle. Non, mais franchement. Je vais pas le dire plus tôt que t'allais envoyer ton échelle. Dis-moi, pourquoi tu m'aides ? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin. Maintenant, je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un œil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, il y a des trucs dedans. Jette un œil, je t'attends. Ok. On va voir ça. Bosquet, là que vous trouvez des villeurs, cherchez des bosquets de toits, ce sont des lieux la végétation dense, reconnaissable à large grande. Ah ouais. Une bonne impression de miel, ouais. Ok, donc on a pas mal de choses ici. Faut bien fouiller les toits. Les gens plantent visiblement dans des endroits comme ça. Au cas où quelqu'un ne pourrait pas rejoindre un abri avant la nuit. Ouvre-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas alors ? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de son blé. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. Attends, parce qu'il y avait quelque chose d'autre. Allez, ramasse. Il allait où parce que c'est Flash McQueen lui hein. Ok. Go. Allez, cours. Stop. Alors, il y a une armée ici ? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Comme si là, ils nous verraient pas. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. Ok. Ça me dit quelque chose. Dis-nous en plus sur eux. Je ferai gaffe à eux. Vas-y, ça me dit quelque chose. Sur le chemin, j'ai rencontré beaucoup de durs à cuire qui parlaient du nouvel ordre. Mais pour moi, c'est toujours la même rengaine. Ouais, c'est comme ça ici aussi. Et les pacificateurs sont de pire en pire. Dis-moi plus sur eux. Ils se prennent pour de vertueux protecteurs. Quand faut tuer des infectés, ils assurent. On peut pas leur enlever ça. Des tueurs plutôt efficaces. Ouais, okay. Mais une telle droiture, ça se paye. Souviens-toi de ça. Soit tu suis leurs règles, soit t'es dans la merde. Leur protection du bazar ressemble plus à de l'occupation. Ok. Bon, pas de soucis. Prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'exploser. Ouais, on y va ? Tu voulais pas me montrer quelque chose ? Carrément, suis-moi. Allez, vite. On est go que tu me montres ton... Qu'est-ce que tu veux me montrer, là ? Oh
Ok. Par contre, ça, dans la 1, l'endurance, quand on faisait du parcours, n'était pas présente. Là, l'est est plutôt réaliste, mais un peu pénible à la fois aussi parce que elle diminue hyper vite. Même si je sais qu'avec le temps, on aura des compétences qui la feront augmenter, voire diminuer totalement. La nuit tombe. Oh non. Se réveiller. Vite, ouvre le coffre. Et après, on te récupérera un biomarqueur. Par contre, il a fait nuit en 2 secondes là. C'est quoi ce délire? Merde. Vide. Des voleurs. Attends. Oh non. Non. Laisse. Si t'abîmes la serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur? Où est-ce que t'as eu ça? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens. Et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Je peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. Un gars du nom de Walls l'a tué. Avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour que Walls la récupère pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au Fisheye. Ah, on verra bien, hein. Oh là là. On a mis trop de temps. Plan B, on dégage. Ok, va falloir courir, je sens, va falloir courir. Ouh là 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 là, je le sens pas là. Hayden, t'es là? Ça va, tout va bien je crois. On doit trouver une lampe UV. Le bazar. On peut y arriver, suis-moi, vite. Vas-y. La lumière est un signe de sécurité. À la nuit tombée, c'est la seule véritable protection contre les attaqués. Cherchez-la quand vous êtes poursuivi. Maintenez RTA pour utiliser votre instinct de survie et marquer la source de lumière. Ok, la plus proche. Ok. Allez, ça marche. Par contre, il faut. Cours. Ouh. Vas-y, accélère, je te suis. Je ne te lâche pas d'une semelle. Allez, cours. Dans la lumière. Mais c'est une balle, attends. Oui, on les entend. Vive la tyrolienne. Allez, cours. Mais il est sérieux lui? Des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-moi au moins passer la porte. Il faut que je voie son biomarqueur. Ah. Et un peu de matos électronique. Ah, il est chiant lui. Fumier. Ouvre. Non. Oh non. Là, ça risque d'être très compliqué. Il va falloir taper le sprint de la vie. Courir. Cours. Ne lâche rien. Cours. Donne tout ce que t'as. Faut aller par où? On est plus loin. On sera en sécurité là-bas. Allez, mais monte. Oh la vache. Ouvre. Cillian, c'est moi. Vite. Occupé. Mais comment ça occupé? Cillian,
Mais je vire ? Non ! Mais comment ça, arrête-les ? Allez, venez. Je vous attends là. Montez si vous êtes des hommes. Aïe ! Il est monté ! Waouh ! Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Mais d'où il sort ? Merde, ils sont trop nombreux. Mais de ouf ! Oh la vache! On a réussi. C'est beau? C'est ouvert? Ah! Ah! Oula, 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 oula. Meurs, meurs. Oh là là, la vache, ils sont beaucoup. C'est bon, il y en a plus. Moi, je crois qu'il y en aura. Hein. Oh. On est très bien dans la merde. Ah là, ça va être compliqué. Hein. Oh la vache! Enfin les lampes UV! Bon sang, Cillian! T'aurais dû attendre un peu plus longtemps! Presque mort! Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis, tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard! Regardez ça! Waouh! Où est-ce que t'as ? C'est rare. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui ça ? Voilà, je suis présente. T'es pas là depuis longtemps, hein ? Comment t'es arrivé en ville ? Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Non, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, Akon? Enfin, à l'abri. Je lui ai donné un inhibiteur, il a survécu. Mais t'es dingue! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Tiens, fils de pute! L'hôpital, alors. J'espérais éviter ça. Toujours à la recherche de la facilité, hein, Akon ? J'ai juste besoin d'une lampe UV. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Akon, pourquoi est-ce que tu l'aides ? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens ? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. À l'époque, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens, Brody. Ok, on est donc dans la planque de Cillian. Ok, ok. Bon bah au moins on est à l'abri. Ça mange pas de pain. Et ça fait du bien. Punaise, quel épisode intense là. Entre les infectés, entre tout ce qu'on a vu. C'était assez intense, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2. Effectivement, nous sommes bien arrivés dans le paradis. Enfin, au paradis plutôt. C'était vachement intense, les gars. Épisode de malade, vraiment, on a découvert pas mal de choses.
On espère qu'on arrivera à retrouver notre ennemi et nos amis du début, parce que là, on a subi une morsure, c'est un peu compliqué, on est limite en train de se transformer à des moments, donc c'était un peu chaud. Mais bon, c'était quand même un épisode vachement intense, donc voilà, on arrive à la fin, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, de commenter, partager un max la vidéo. Ça fait plaisir, les gars. Et pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. C'est safe, vous prenez soin de vous. Et je vous dis à la fois prochaine. Tchuss !